frère Aksemoyo, ce n'est pas de content ou content. Depuis longtemps, c'est rêve télé-solidarité pour gagner un programme sur la santé, sur la médecine, pour le public haïtien, en plus d'informations sur domaine ça. Et nous gagnons avec nous deux géants au niveau médical. Et puis, ou pas d'après ça, c'est deux frères. Nous gagnons un an de différence. Mbabdin qui laisse, qui est plus grand. Et nous allons parler un petit peu de l'histoire de la médecine. Donc, docteur Bruno, oui, c'est prénom, c'est qui ça, hein? Emmanuel. Emmanuel Bruno. Ok. Où c'est Moun qui est bon en Haïti? Bon, on est né à Trou du Nord. À Trou du Nord. Selon la circonstance géographique. D'accord, ça part de loin, Cap Haïtien. Ça fait partie du Cap Haïtien. Donc, c'est on est tout du Cap Haïtien. C'est ça. Alors, comme je l'ai jamais dit avant, j'ai fait études primaires au Cap Haïtien. Et puis les études secondaires à Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Et puis les études universitaires à Port-au-Prince aussi. À Port-au-Prince. Et puis vous venez compléter ici. Ici. Et vous-même, c'est docteur Verlaine Bruno. C'est ça. Et vous faites Trou du Nord tout? Non, vous faites Terrier Rouge. Vous faites Terrier Rouge. Il y a quelques minutes de Trou du Nord. Ah bon? Mais au côté qui est distingué, ben c'est Trou du Nord, je bon, je ne peux pas dire ça. Alors, d'accord. Je ne veux pas faire des jaloux là. D'accord. Ok. Donc, vous complétez études au Port-au-Prince? Oui, bon, études primaires au Cap-Haïtien. Ensuite, une complétée études secondaires au Port-au-Prince. Et puis études universitaires à Port-au-Prince aussi. À Port-au-Prince, et puis une ville complétée aux États-Unis. Nous tous deux, nous, aux États-Unis depuis longtemps. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait bien longtemps. Ça fait 3 semaines. 30 ans. 30 ans. Et au même. Bon, pratiquement, ça fait plus que 30 ans, en fait. Plus que 30 ans. Plus que 40 ans. Au présent. Oh. Bon, alors, on a fait la médecine. Qui voit la médecine commencer, hein? La science médicale. La science médicale commençait à partir de Hippocrate. Hippocrate, ouais. On m'a dit comme ça. Oui, son mounion est Hippocrate. Okay, c'est lui-même qui découvrit la médecine en quelque sorte. Qui année il est fait? Année ça, hein? Non, monsieur fait 460 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. 460 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Oh, ah, ça fait quoi, quelques jours. Ça hein? Fait quelques jours. Bon, alors, grandissez. Qui pays il est? C'est haïtien lié? Mon cher, monsieur sorti dans l'Antille, il y aurait l'Écosse, Anglaise. Donc, c'est là que monsieur fait, Robert Zamadio. Donc, c'est comme ça, monsieur Vini a fait des études sur le corps humain. Donc, c'est comme ça, monsieur Vini. Bail médecine en nouvelle approche plutôt scientifique. Parce que avant, dans le temps, avant l'arrivée d'Hippocrate, la médecine, c'est un bagage qui était considéré comme des bagages superstitieux. Ça veut dire que sous malade, c'est superstition. Sous malade, c'est bon. Bon Dieu, yo, parce qu'il y a plusieurs dieux. C'est bon Dieu yo, qui frappe, etc. etc. Donc, Hippocrate, Lévin gagne une approche beaucoup plus scientifique de la médecine, en ce sens que lui considérait toutes les fois qu'on a une maladie, ce n'est pas ni superstition, ce n'est pas ni bon Dieu qui frappe, ce n'est pas Dieu qui frappe, mais plutôt c'est il gagne de rapport physiologique, de rapport anatomique avec le corps humain. Donc, ça veut dire que monsieur était entré dans études approfondies. De l'anatomie, de la physiologie. Pour étudier comme on a, en bonne samedi ou, dans l'intégralité. Comme on a dans l'intégralité. Donc, comme ça, M. Sauti, le père fondateur de la médecine. Et il commençait à découvrir médicaments tout pour bon, monsieur te découvrit maladie. Certaines maladies, par exemple, épilepsie. C'est monsieur qui découvrit ça. C'est un investigeur. Qui ça que c'est l'épilepsie? C'est ça, nous, il est mal cadi en français. Le mal caduc. En créole, nous, il est mal cadi. Mais je veux dire, épilepsie. C'est monsieur aussi qui découvrit la pneumonie chez les enfants. Et en pilote maladie encore. Comprends? Donc, monsieur, si je peux élaborer un petit peu plus sur Hippocrate. Hippocrate était voyagé dans plusieurs îles en Grèce, dans plusieurs pays en Grèce là, parce que pour enseigner la médecine. Enseigner la médecine. C'est ainsi qu'il a fondé une école de médecine
côté que j'ai lui-même qui était professeur pour la pensée élève la science et médicale. Ensuite, c'est monsieur qui développait ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Si nous comptons des balais de serment d'Hippocrate, ça lié. Le serment d'Hippocrate, là, c'est comme si Mdadou, c'est un ensemble de lois et qui est basé sur la morale, sur l'éthique médicale que monsieur établit pour tout médecin supposé respecter. Vous supposez que c'est pour respecter les gens qui sont malades là? Absolument, respecter les gens qui sont malades là. La vérité. Le respect entre les médecins. Les médecins sont supposés entendre entre eux. Ensuite, pour avoir une compassion pour les malades là, pour respecter les malades ou à traiter. Et ensuite, je souhaite considérer comme si Mdadjo pour ta et considérer famille ou à traiter comme pour famille. Okay. Dans ces conceptions, monsieur de la médecine. C'est magnifique, on t'a souhaité que le médecin Jody a toujours à respecter le serment d'Hippocrate. Ok. Bon, bon. Alors, qui ça, monsieur, fait encore? C'est lui qui commence à diviser les différents secteurs. Bon, différents... avec le temps, la médecine vient évoluer. Donc, la médecine a été divisée en différents secteurs. Avant ça, on considérait la médecine comme un tout. C'est-à-dire que, ou bien, il y a l'étude de la médecine. Jusqu'à présent, il y a un peu de monde qui considère la médecine comme un tout. Là, on dit c'est docteur, on dit comment, vous faites médecine générale ou bien qui ça. Alors, oui, l'homme ou dans la faculté de médecine, par exemple, oui, vous étudiez un peu de tout, la médecine générale, vous étudiez la médecine de façon globale. C'est-à-dire que vous étudiez le corps humain, vous étudiez anatomie, vous étudiez physiologie, vous étudiez physiopathologie, ensuite vous étudiez les signes et symptômes des maladies, donc là ça vous arrive à un diagnostic et puis vous arrive à un traitement qui est aboutissement final de... Vous refaites tout le corps. Oui, pour qui est l'aboutissement final de sorte d'entreprendre, de sorte de démarche ou d'entreprendre, c'est-à-dire vous arrivez dans le traitement. Mais cependant, vous ne pouvez pas demander à un médecin quelque intelligent qu'il puisse être pour qu'on ait tout bagaille dans la médecine. C'est ainsi que la médecine, après un certain temps, vient divisée en deux grandes catégories. Il y a la médecine interne et la médecine chirurgicale. Ouais. Alors pour le monde qui comprend comme si, de pouvoir ou faire médecine, c'est comme si vous faites médecine générale. Oui, vous faites médecine générale dans l'apprentissage de la médecine aux universités. Mais cependant, l'on finit et diplômé médecin, vous supposez choisir une branche de la médecine. Spécialiser dans un domaine spécial. Un domaine spécial, exactement. Comme par exemple, il y a un docteur fille, il y a okay. Les gynécologues. Exactement. Alors, si vous voulez m'entrer dans les détails, nous allons apprendre par exemple dans la médecine interne, par exemple. Dans la médecine interne, il y a une subdivision. Nous avons parlé de médecine et de chirurgie, deux grandes catégories. Dans la médecine interne, par exemple, il y a une subdivision. Vous avez des gens qui font maladies infectieuses de la médecine interne, vous avez des gens qui font maladies endocrines, c'est-à-dire maladies des glandes endocrines, vous avez des gens qui font gastro-entérologie, qui occupent de maladies intestinales, vous avez des gens qui font en neurologie, la maladie du cerveau par exemple, et puis vous avez l'autre monde qui fait dans le domaine, dans la division et de chirurgie par exemple, il y a la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiovasculaire par exemple, il y a la chirurgie orthopédique, tu vois, il y a la chirurgie, ça c'est pour zo, il y a la chirurgie et monde qui fait chirurgie rénale, ça c'est pour rein, c'est que monde qui des maladies des reins, hein, voyez, il y a aussi l'autre division qui occupait seulement des filles, c'est ce qu'on appelle la gynécologie, obstétrique gynécologie. Obstétrique gynécologie qui occupait de femmes enceintes, okay, qui occupait pour l'accouchement, qui occupait de l'autre maladie, par exemple les femmes qui ont des difficultés au niveau et des voies et utérines, par exemple qui ont des maladies de l'ovaire, qui a une maladie au niveau de l'utérus, et par exemple les filles de l'utérin, kyste de l'ovaire, etc., etc. Donc, mon saio, c'est obstétricien gynécologue qui occupe de lui. Si par exemple, on gagne une maladie au niveau de l'œil, par exemple, ou supposez ouais, on ophtalmologiste. Si par exemple, on gagne des maladies au niveau de la gorge, ou supposez ouais, on monde qui fait otorhinolaryngologie. C'est-à-dire que otorhinolaryngologiste signifie le nez,
la gorge et la bouche. Ok? Tandis que l'ophtalmologie, c'est la maladie des yeux. Donc, médecine, nan gan, pile en pile en pile en pile subdivision là-dedans. Et même là, on sort de la médecine, nan, ok? L'on a pas entré dans la médecine des enfants, par exemple, ça a son autre domaine. Donc, c'est exactement là, on a entré dans le domaine de la pédiatrie. Et même dans le domaine de la pédiatrie, on gagne différentes sous-spécialités dans le domaine de la pédiatrie. Par exemple, docteur Verlaine Bruno, c'est un pédiatre néonatologiste. Il a dit qu'il s'occupe des nouveau-nés avec les enfants qui ont des problèmes de prématurité, par exemple. Vous voyez? Et Emmanuel Bruno s'occupe de la pédiatrie neurologique. Vous comprenez? Donc il y a la pédiatrie endocrinologique, il y a la pédiatrie rénale, et il y a la pédiatrie des gens qui s'occupent de l'AS, par exemple, des enfants qui ont de l'AS, par exemple. Ce sont des médecins, pédiatres qui s'occupent des maladies pulmonaires, des pulmonologistes, etc. C'est-à-dire la liste est tellement longue que je suis capable de gagner de quoi que oublier. Ouais. Mais cependant, donc c'est pour vous donner une idée de l'immensité, de la complexité, vous comprenez, de la médecine. Son domaine immense. Immense et complexe. Et vous-même, docteur Verlaine, vous entendez que vous-même occupez Timoun, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, vous avez des vaccins tout. Oui, c'est ça. Qui sont les vaccins? Bon, vaccins, là, nous avons dans l'autre domaine de médecine, là, et domaine qui est important dans la médecine. Là. Et où il est la médecine préventive. Préventif, c'est-à-dire pour prévenir maladie avant maladie qui apparaît sous. Et c'est ça qui probablement est très 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 important ou bien beaucoup plus important dans la médecine parce qu'on parle de maladie entre sous et puis bon aussi de pas chercher traitement bah ça donc sous qu'à fond gens pour prévenir maladie donc la plus bon donc c'est ainsi que c'est là que la vaccination ou bien l'immunisation c'est le savoir de rentrer dans l'équation pour la médecine. Donc, vaccin, c'est ou pas un vaccin pour toute maladie, pas un vaccin contre le cancer. Non, pratiquement, il y a travail sur le vaccin contre le cancer. Donc, pile étude qui a fait sur ça, mais il faut arriver dans le point pour rejoindre un vaccin pour le cancer. Un vaccin préventif. Non. D'accord. Mais, par exemple, la rougeole. Oui, bon, la rougeole, oui, il y a un vaccin pour prévenir la rougeole. Qui est-ce que la rougeole en anglais? En anglais, c'est le measles. Ah, measles. Measles. Ça lié la rougeole, là. Measles. Bon. Measles, c'est une sorte de maladie infectieuse que lié, qui est très contagieuse, comme on dit, donc, qui sont virus qui baille. Et il va manifester sous forme de fièvre, sous forme de maladie des voies respiratoires, on a toussé. Comme on dit, il doit avoir une série de complications telles que la pneumonie, il doit avoir une série de l'autre complication encore, il doit avoir dans le cerveau, ce qu'on appelle l'encéphalite, la méningite. Donc c'est une maladie très 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 sérieuse. Et qui a débouché sur la mort. Sur la mort, définitivement ça peut déboucher sur donc, la mort. Donc des vaccins qu'on prend avant pour essayer de réduire au minimum la possibilité que mon âme vienne attraper maladie ça. En principe, vaccin que vous avez pour maladie ça, il y a le measles, mumps et rubella. Dans le terme anglais, il y a le MMA. Ça veut dire que ce vaccin qui est prévenu, la rougeole, l'oreillon et la varicelle. L'oreillon, c'est... C'est là que grande partie du enflé. Je vais laisser encore... Mal mouton. C'est comme ça que nous, il est là ici. Mal mouton. Donc, il y a un vaccin pour prévenir trois maladies ça ensemble. C'est la rougeole, l'oreillon et puis la varicelle. Vaccin, ça, c'est un vaccin pour commencer à bailler depuis petit moment, il y a un an. À un an, commencer à bailler. Et puis, par exemple, si vous avez à l'école, besoin de 4-5 ans, vous avez une deuxième dose, ça a une dose de rappel pour rappeler quand vous avez une dose, que si par exemple, vous avez exposé à germe ou à virus, là, pour le système immunitaire, si vous avez réagi pour favorablement combattre l'infection. Est-ce que vous recommandez que tout le monde prenne le vaccin? Pratiquement, oui. Tout le monde supposé prendre un vaccin,
Et surtout, le vaccin, ça que nous faisons parler là, le vaccin là aujourd'hui. Là. Oui. Parce que actuellement, par exemple, on a des cas de la rougeole actuellement dans New York City, qu'on y a là, dans Oakland County, quand il y a presque près de 150 cas de rougeole. Et bah, là, tellement une proportion énorme que le gouverneur, le maire de Oakland County, déclarait que si un petit monde n'est pas vacciné, il n'est pas supposé venir dans aucune réunion, aucune place publique. Ni l'école. Ni l'école. Ça, c'est un bail qui fait sortir là, hier ou bien hier. Très bien. Maintenant, et docteur Emmanuel, et toujours Bruno, et qui dernier bagage vous voulez dire, non? Bon, dernier bagage que nous avons dit, nous avons souhaité que nous nous édifions plus ou moins. De ça ne se parle pas, plus particulièrement le sujet que nous avons discuté, de sorte que le gain y a un problème quelconque, donc pour connaître à qui spécialiste pour adresser. Naturellement, avant même que vous ayez n'importe quel spécialiste, il faut avoir médecin et primary care physician, c'est-à-dire que médecin qui boit le premier soin d'abord. Maintenant, c'est le médecin ça, qui bon premier soin, hein? C'est les mêmes qu'on pourra le voir, donc c'est les mêmes qui pourra décider pour voir ouais, un spécialiste qui est approprié à les symptômes, à la maladie qu'on a. C'est ça, au début tout, tu as dit qu'il y a deux, qu'il y a la médecine interne, c'est-à-dire maladie cœur, poumon, foie, rein, tout quand était intestin, exactement. Et puis sein pour mesdames mieux surtout, ouais. Et maladie gorge, toute qualité, ouais. Et os, et nerfs, et maladie dans la tête, tout. Parce que il y a des gens qui sont occupés, des gens qui sont malades dans la tête, qui ont des fois perdu la tête, ouais. Ça, c'est les relais, c'est psychiatre, c'est psychiatre, donc, yes. Et bon, tout ça. Mais en même temps, tout, au niveau chirurgical, ça veut dire que vous allez couper, c'est ça? Oui. Vous allez couper tête, là, ou bien oui. Ventre, là, oui. Ou bien n'importe qui, ce qui. Bon, généralement, vous n'avez pas tellement coupé bras avec jambes. Mm-hmm. Bon, ça dépend. Ouais, ça dépend. Oui, il y a ça aussi, vous êtes capable de couper les jambes. Par exemple, si vous avez une gangrène, par exemple, au niveau des membres inférieurs, par exemple, une gangrène diabétique, par exemple. Le plus souvent, ils sont obligés de couper les jambes pour empêcher que le fait infection généralisée. Mm-hmm. Ce qu'on appelle la septicémie. Parce qu'à partir du moment que les jambes sont gangrenées, mm-hmm. Il est sujet à infection. Donc, infection, qui dit infection, il y a une possibilité pour septicémie, il y a une possibilité pour infection généralisée. Mm-hmm. Donc là, ça obligé, pour éviter que les gens mourent, obligé de couper les jambes. Très bien. Et ça, où tu as une introduction générale, oui. Mais grâce à Dieu, on va retourner encore. Et qui domaine qu'on va étudier qu'on y a avec bon, le public là. Prochainement, nous avons plusieurs domaines que nous sommes capables de discuter de eux. Peut-être que nous sommes capables de parler de certains problèmes neurologiques, étant donné que neurologie, c'est spécialité moins, c'est spécialité que. C'est sous spécialité moi, à part le fait que nous sommes pédiatres, nous sommes neurologues, donc peut-être que nous sommes capables d'un sujet neurologique, que nous sommes capables de débattre. Sont les neurologia. Neurologia, c'est celui, c'est un médecin qui s'occupe des maladies du cerveau, des du maladies cerveau. Des nerfs, et des maladies de muscles aussi. C'est-à-dire qu'en plus, il faut encore un petit monde est paralysé, par exemple. Donc ça, c'est domaine, ça ressort du domaine de la neurologie. Ou quand un petit monde a une crise convulsive, que nous avons parlé de lui, nous avons parlé de l'épilepsie, nous avons parlé de malcaduc en français, ou bien malcadie en créole, donc ça ressort de la neurologie. Toutes les fois que un petit monde a une tumeur en tête, par exemple, ça ressort du domaine de la pédiatrie neurologique. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc peut-être que dans la prochaine occasion, la prochaine interview que nous avons bien pour nous parler de bagages sérieux. Oui, c'est ça, guerre pile qualité maladie. Et papa ici a besoin informé. Supposé mesdames, tu as très besoin informé au niveau de menstruation, au niveau de accouchement, tout bagage sérieux. Messieurs, vous avez des maladies spéciales pour les hommes, tant que prostate, toute qualité oui. Bagage sérieux. Mm-hmm. Et puis maladie intestine, j'ai l'impression, c'est un bagage qui est très courant, oui. Beaucoup plus courant. Et puis poumons, cœur, tout ça.
Absolument. Et donc, nous comptons des informations très, très importantes. Et puis, pour les gens qui sont grands, tout, il y a des maladies que les grands sont plus faciles à gagner, parce que c'est oui. Parce que le nègre est grand, ou perdu jeunesse, et il y a des maladies sans tout. Hématologie, pas comme ça. Hématologie, c'est ça. Et donc, tout ça, nous gagnons pile d'informations. Et la fièvre, toute qualité de la fièvre, vous parlez, il y a plusieurs qualités de la fièvre, vous supposez, c'est ça. Et puis maladie, yeux, langue, dents, tout ça. Oui. Donc c'est des, nous pouvons prendre tout domaine ça, yo. Mes amis, nous pouvons prendre pile bagaille pour nous apprendre. Et l'un fin, prend toute série ça, mes amis, n'a tant que docteur, n'a vu une fenêtre. Donc c'est pour m'inviter, pour nous. Suivre le programme ça, yo, avec un pile intérêt et puis prendre note pour que nous puissions faire face à défis que tout le monde gagne la santé par yo, santé petit yo, santé partenaire yo, sur garçon, santé madame, sur fille, santé mari, santé grand-parent yo, tout ça important, surtout santé petit monde qui a grandi. Donc nous remercions Dr Emmanuel Bruno et Dr Verlaine Bruno, deux frères Zayo, qui gagnent un bon cœur et qui viennent partager connaissances avec le public pour que le public haïtien vienne très informé sur tous les problèmes médicaux. À commencer par Hippocrate, et je suis sûr que, et vous-même, avec et Dr Verlaine, que nous gagnons un pile respect pour Maître Hippocrate, n'est-ce pas, Docteur Hippocrate, le fondateur de la science médicale. En attendant, m'a dit nous bonjour, c'est pour nous toujours occuper comme nous bien, et le faire ça, nous avons occupé nous bien tout, parce que nos corps, mais nos esprits, et c'est esprit nous qui a sauvé corps. Donc, occuper corps, occuper l'esprit, occuper nous, pour que nous toujours fait, mon Dieu, plaisir. Kondeya Mabdine, au revoir et à bientôt. Rete, ou chage bel neges, qui kon effet caresse, qui gagne toute qualité, tendresse, tendresse. En haut la caille à moi, c'est la madame Sarah, sauti fait bonne rara, le midi fin son air, c'est la belle marabout, cachée pour faire l'amour, c'est la nègre sans fort, fait sans courir encore. Haïti moi remède. Haïti m'adore, nos pieds ou meublés toujours, rêvé. Ou chargez belle négresse, qui connaît fait caresse, qui gagne toute qualité, tendresse, tendresse. Pays, c'est reposoir. Tellement chargé pied bois, oiseau capé volé, belle plage c'est pas balé. Les mois juillet arrivé, chalet fin débordé, c'est là nous est tout blanc, fini prend bon jardin. Haïti moi remè, Haïti m'adore. Nos pieds ou moins blé toujours aider. Ou chage belle négresse, qui compte fait caresse, qui gagne toute qualité, tendresse, tendresse, tendresse.